on récapitule. Cette M dans le bouquin du Capitaine parlait de Nav. Ouais. Erica Jones utilisait Twilight pour en cuisiner les pages et fabriquer de la nav. Ouais. Et la nav, c'est la drogue que cherchait le capitaine chez Erica Jones. Ouais. Donc, la mission de la brigade, que nous cache le capitaine depuis le début, c'est de retrouver toute la nav. Toute la nav. Mais si, démonstration par A plus B égale CQFD. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez sans moi. On nourrit les détenus. Ta gueule! J'aime pas quand vous parlez sans moi. Ne réponds pas. Vous cachez des choses et j'aime pas ça. On cache rien, on réfléchit. Arrête, elle va continuer. Non mais c'est vrai, on dirait des vrais clichés sur pattes. Nous, clichés? Le grand peureux et le petit barbu. Qui n'est plus barbu. 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia. Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La Brigade du Livre. Parmi ses membres, un seul ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Kilk. Parlons cliché. Dans la littérature, le cliché est un peu la bête noire de l'écrivain comme du lecteur. On lui fait tous la chasse, tellement qu'il en devient parfois l'élément essentiel de notre jugement quand on tente de critiquer un livre. Le cliché, le stéréotype, a cette très fâcheuse réputation d'être connoté négativement. On le dit très souvent, c'est déjà vu. Pour le lecteur, il est souvent l'illustration d'une idée sans grande originalité, d'un manque de créativité et de style, ou d'un discours pas forcément bien approfondi. En fait, le cliché nourrit notre jugement de valeur d'un livre. On le retrouve souvent au fil des lignes, la nuit, la lune de couleur argentée, relou. Et le soleil au matin qui filtre à travers le store, relou. La jeune héroïne aux pommettes saillantes quand elle sourit, relou. Qui manque cruellement relou. Au héros aux cheveux blonds comme les blés. Relou. Mais c'est toi là, relou. T'as pas d'autre chat à fouetter? En réalité, ces stéréotypes peuvent être d'ordre lexical, ne concerner que des associations de mots, des phrases toutes faites, ou d'ordre structurel, et toucher alors l'intrigue entière d'un roman. On les reconnaît facilement parce qu'ils sont fréquents, en quelque sorte fossilisés par leur emploi systématique, mais aussi parce qu'ils sont profondément implantés dans notre mémoire collective. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils jouent souvent des tours à tous les écrivains qui s'en servent sans même s'en rendre compte, tous ceux qui sont derrière là. Là où le bât blesse, c'est que le cliché n'est pas vraiment un système de valeurs. Il n'y a qu'à voir les affrontements sanglants entre les armées pro-divergentes, Hunger Games et consorts, ceux qui adulent Levi ou Musso, et ceux qui les rejettent. À force, les clichés et les stéréotypes sont devenus une ligne de démarcation entre deux mondes littéraires. Ils seraient dédaignés par une classe d'intellectuels, mais enchanteraient les masses de lecteurs au cerveau anonyme et servile. La différence entre la bonne et la mauvaise littérature, ce qui est un vrai livre et ce qui ne l'est pas, toutes ces conneries quoi. Il faut cependant reconnaître que le cliché joue le rôle d'étiquette, comme le dit Charles Dantzig dans La guerre du cliché, de label, comme on en colle sur les poulets pour garantir qu'ils sont fermiers. On aurait du mal, avec un récit fantastique, plein de fantômes qui rentrent dans les cimetières, à ne pas voir l'éclat de la lune argentée. On aurait du mal, dans une romance à tendance chick-lit, à ne pas retrouver une bonne copine qui rit aux éclats. Ou, dans un thriller dramatique, une future victime vouée une confiance aveugle à son meurtrier. Les clichés sont des codes littéraires, des repères, des éléments qui sont destinés à faire réagir le lecteur, à susciter chez lui des émotions ou des sentiments précis, parce qu'il se retrouve dans des situations qu'il connaît déjà, ou sur un terrain familier auquel il est réceptif. Le cliché nous permettrait d'apprécier un texte de manière positive ou négative. Notre attention est captée plus facilement, et l'imprévisibilité du stéréotype pèsera dans notre jugement de son renouvellement, parce qu'on apprécie toujours plus un texte au cliché qui se renouvelle qu'un texte sans cliché où l'on se perd par manque de repères. Le respect de ces codes par l'auteur d'un roman permet d'en constituer le genre, ce qui le distinguera des autres bouquins et répondra aux exigences de ses lecteurs, comme s'il signait en fait un contrat d'authentification. Et sur les réseaux sociaux, je vous avais invité à... Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Vous, là, vous faites quoi ici?
Je tourne une vidéo. Ah. Ah, c'est... Moi aussi, je fais des vidéos. Mais vous, c'est quoi la thématique? Les clichés. Ah, j'ai fait un top 10 sur les clichés aussi. Vous en avez combien, vous? 4. 4. 4. Bon, je cherche un film. Vous avez des films ici? Non, en fait, on a que des... Enfin, des... Ah. Un peu fatigué. Sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé quels étaient les clichés de la littérature que vous détestiez le plus. J'en ai retenu 4 et j'ai cherché à les illustrer avec des bouquins qui les utilisent de manière inventive jusqu'à ce qu'on ne s'aperçoive plus de leur présence et que finalement, ben, ça passe. Dans les polars, ce que vous détestez le plus, ce sont les intrigues avec un vieux flic bourru. Celui à la retraite, ou qui est démoli par la vie, la drogue ou l'alcool, torturé par un passé plus que trouble, mais qu'une vieille enquête ramène sur le devant de la scène. C'est le trait typique des romans de Connelly et de son anti-héros Harry Bosch. Abîmé, violent, mais putain de badass. Au-delà de ça, c'est souvent la figure de l'enquêteur solitaire qui prime. Un meurtre étrange, au mode opératoire dégoûtant mais fascinant, et une ambiance urbaine sordide et angoissante. Le flic a du pif, il agit souvent sans son équipe, menant son enquête où il veut, il est célibataire, divorcé, le boulot, c'est toute sa vie. Ce stéréotype, on le retrouve souvent dans les bouquins de cette grande dame du polar français, qui l'utilise à merveille, sans qu'on s'en rende bien compte. J'en dirai pas plus. Le triangle amoureux est aussi une figure haïe des cercles littéraires. Machine aime truc qui ne l'aime pas, alors que bidule aimerait bien se faire machine. À l'exemple de l'adage « je te suis, tu me fuis ». Ce triangle amoureux est tout ce qu'il y a de plus gnangnan dans un livre, parce qu'on connaît déjà la fin depuis des siècles. Depuis le Moyen-Âge, le 12e siècle pour être précis. Et la matière de Bretagne qui répandit sur les terres des rois de France les légendes du roi Arthur, de sa reine Guenièvre et de son champion Lancelot du Lac. Lancelot finit par se faire la reine. Du coup, quel bouquin reprend aujourd'hui ce stéréotype du triangle amoureux? En fantasy, tout comme dans d'autres genres de la littérature, revient souvent l'histoire de l'élu. Cet enfant cumule les clichés dès le premier chapitre, il est orphelin, dans la classe sociale la plus basse et la plus pauvre possible, et grâce à un mentor et un artefact magique, il ira sauver le monde de la domination maléfique qui le menace. On retrouve ça de partout. Je citerai pas Le Seigneur des Anneaux, je citerai pas Eragon, je citerai pas les Chroniques de Crondor, je vais simplement parler du bouquin qui reprend tous ces clichés en les noyant bien bien profond. Le dernier cliché est celui que l'on appelle stéréotype de Mary Sue. Il s'agit du personnage parfait, sans défaut apparent. Il en a, mais jamais quand il faut. Tout le monde l'aime, et tout le monde va l'aider pour qu'il puisse accomplir son destin. Le terme vient du nom d'un personnage de Paula Smith, auteur de fanfiction dans l'univers de Star Trek. Sa Mary Sue était une réaction au personnage suridéalisé des fanfictions, mais aussi aux personnages féminins qui servent de faire-valoir amoureux aux héros. Pour les femmes, on dit Mary Sue. Pour les hommes, on dit Gary Stu. Et voici une BD qui reprend ce stéréotype de manière... parfaite. Comme le disait Umberto Eco, lire c'est toujours partir à la recherche de structures familières. Mais au-delà de tout ce que peuvent apporter les clichés à nos désirs et nos souhaits de lecture, ce qui en fait un élément essentiel de la littérature, et donc pas si mauvais que ça, le risque est quand même d'établir une grille d'étiquette entre ce qui fait et ce qui ne fait pas un bon livre, un bon personnage, et, par extension, favoriser les stéréotypes, ne pas lutter contre les clichés, c'est les laisser s'immiscer dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait un bon camarade ou un bon voisin? N'y a-t-il pas un risque plus profond encore? Comme on dit, Captain, les clichés ont la peau dure, surtout quand les matins sont bruns. Bah les cartes, elle est où cette nave? C'est ça? Ouais. Et alors vous l'avez goûté? Ça fait quel effet? On sait pas. Mais sortez-vous les doigts du cul, les mecs! C'est qui y passe en premier? Un peu beaucoup, là. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une fumisterie! Une basta. Les couleurs primaires, on n'en aura pas d'idée. C'est la base de tout. Base de tout. Et ça, personne n'y pense. Comment veux-tu qu'on pompe des bons bouquins quand on n'est pas capable de savoir ça?
Ah putain, on prend le moment pour les bisous. Je me sens pas très bien Ouais? là. Mais là, t'es Je un me sens peu pas très là. bien là. J'ai chaud. J'ai chaud, t'as chaud toi? Ça va? Mais toi? Moi j'ai chaud, hein. Ouais, t'as un peu Non. la gueule d'une Ouais. couleur primaire. Le conteneur qui fait à manger et le cantinier lave la bouffe. Le D'accord. cantonnier, lui, par contre, lave le sol. Sur les bateaux. Ah ouais, sur les bateaux ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, c'est super propre. C'est plein Ça vaut de la d'allégories. merde. C'est aussi ça le problème. Vous avez maintenant l'occasion de gagner deux places pour le week-end du salon Néocast qui se tiendra à Strasbourg le 16 et 17 mai 2015 prochain. Pour cela, il vous suffit de répondre à une question. Quel est le nom de la superstar qui affronte des zombies dans une des fanfictions que je cite dans une de mes vidéos? Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer à cette adresse qui s'affiche juste en dessous. Les gagnants seront les deux premiers à me faire parvenir leur réponse. Allez, salut!